suis très content de vous proposer un nouvel épisode d'Objectif Brochet Record. Et du coup, cette fois, je vous propose de revenir sur mon année 2022, où j'ai essayé d'appliquer en fait les différents tuyaux et les conseils et les astuces qui ont été donnés par les différents spécialistes qui sont intervenus sur les quatre premiers épisodes de la série. Bien sûr, j'ai continué à y mettre ma patte, mais cette année, je me suis vraiment focalisé sur la recherche des gros brochets. Et donc, du coup, je vous propose de faire un débriefing de ce qui a marché, pas marché, et revenir justement sur les différents conseils et voir justement ce qui a marché pour moi et j'espère qu'il pourra aussi marcher pour vous. Et avant de commencer les aspects techniques de la vidéo, je vous propose de regarder les images des captures des deux plus gros brochets qu'on a fait cette année avec moi et mon fils. C'est immense, c'est immense, vraiment là, là c'est immense. De ma vie. Allez, Cédric, doucement. Yes! Ah, il est là, le coco! Wouhou! Ok, ok, c'est gros. C'est un gros poisson, ça. Très, très gros. C'est un maîtrais, là. Pas coupé surtout. Oh putain! Oh putain! Oh putain! Oh putain! Non, de Dieu! Non! Mais non! Deux poissons vraiment colossaux de 110 et 112 cm, mais qui paraissaient vraiment beaucoup plus gros tellement ils étaient massifs. Vraiment des poissons qui ont ponctué cette année 2022, qui a été riche en gros poissons, comme vous verrez dans les différentes images que je vais vous présenter au fil de la vidéo. Et du coup, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. En ce qui concerne du coup les leurres, pour commencer, j'ai pêché exclusivement avec des leurres souples toute l'année pour chercher les très gros brochets. Par contre, force est de constater que j'ai pris des très gros brochets
sur toute taille de leurre souple. Donc du coup, des leurres entre 12-13 cm et jusqu'à 25-30 cm. Un truc qui est, à mon avis, sûr, c'est que quand les poissons sont vraiment totalement inactifs, hein, que ce soit les gros et les petits, mais notamment les gros, eh bien, je pense qu'ils sont beaucoup plus enclins à prendre une petite proie. Et du coup, ça a été le cas cette année, où pendant une certaine période, il n'y avait que le magique Z-Shad en 13 cm, 13,5 cm pour être précis, qui fonctionnait. C'est un tout petit leurre, finalement, très effilé, avec des vibrations très fines. Et malgré tout, j'arrivais à déclencher régulièrement des gros brochets avec ce leurre-là. Et tous les autres leurres, et notamment tout ce qui était gros, et qui faisait pas mal de vibrations, qui faisait bouger beaucoup d'eau, j'avais aucun résultat. Donc là-dessus, je suis à peu près sûr de moi. Il y a des périodes de l'année où il vaut mieux utiliser des petits leurres pour s'adapter justement au niveau d'activité des gros brochets. Par contre, clairement, ça a été clair et net. Quand les poissons sont rentrés dans les phases d'alimentation importantes, donc suivant les périodes de l'année, comme par exemple en automne, on a des périodes de frénésie alimentaire qui durent 2, 3 semaines, voire des fois un mois, où on a vraiment une activité très importante des poissons. Et bah, du coup, dans ces cas-là, vraiment les gros poissons, clairement, ils sont beaucoup plus enclins à se décider à prendre un gros leurre, donc du coup entre 22 et 30 cm, que des petits leurres. Donc là, dans ces cas-là, il faut vraiment ne pas hésiter à pêcher avec ces gros leurres quand on a ce genre de conditions. Yes! Aïe! Là, il y en a un gros. Là, on a un beau poisson. Là, on a un beau poisson. Putain! Oh là, on a une poutre! On a une poutre! Là, on a une poutre! Yes! Oh, oh, il est magnifique! Un monstre! Yes! Alors, on vient pour ça, c'est superbe! L'autre truc que j'ai remarqué, c'est que quand on avait des journées qui étaient très venteuses, avec de grosses vagues, etc., pour le coup, là, pareil, il n'y avait pas photo, il fallait utiliser des très gros leurres. Je pense que c'est des périodes où les poissons, les gros brochets sont actifs, sont plus actifs. On reviendra un petit peu sur les conditions météo, sur une autre rubrique. Mais par contre, du coup, là, c'est pareil. Et je pense qu'ils sont beaucoup plus enclins à se décider à attaquer sur un gros leurre que sur un petit leurre qu'ils vont pratiquement ignorer, à mon sens. En tous les cas, les résultats ont été dans ce sens-là. Donc voilà pour ce qui concerne les leurres. La colorie qui s'est le plus démarquée pour sélectionner les gros brochets, clairement, ça a été le Fire Tiger. Donc du coup, qu'on appelle FT aussi. Clairement, sur les gros leurres notamment, c'est une colorie qui a fait 60% de méprise de gros poissons et de maîtres notamment. Et du coup,
C'est une colorie vraiment que je sélectionne en premier lieu, qu'il fasse sombre, couvert ou en plein soleil. Je vais commencer avec du FT. Si je vois que ça ne fonctionne pas, je vais essayer de trouver une autre colorie qui va déclencher des touches. Mais pour moi, c'est le number one. Et dans la journée, si je vois que bah, y a rien qui fonctionne, si je veux être sûr de mon coup, bah, je mets un FT et je m'accroche à cette colorie-là, bien sûr en changeant les leurres, etc. Mais donc du coup, globalement, pour les gros leurres, le Fire Tiger, franchement, il n'y a pas photo. C'est une colorie qui fonctionne très très bien sur les gros brochets. Par contre, sur les petits leurres, c'est plutôt les coloris naturels qui se sont démarqués tout au long de l'année et qui effectivement souvent apportaient plus de résultats réguliers sur les gros brochets, mais comme sur les autres. Donc là où j'ai vu vraiment une nette domination du Fire Tiger, c'est sur les leurres, donc gros entre 20 et 30 cm, sachant que la taille de leur soupe que j'ai le plus utilisée, c'était entre 22 et 25 cm. Et donc du coup, là, clairement, franchement, le Fire Tiger, il n'y a pas photo, c'était une colorie 100% efficace sur les gros poissons. Maintenant, si on revient un petit peu sur les conditions météo qui m'ont apporté le plus de gros poissons cette année, clairement déjà un premier point, pour pouvoir pêcher quelles que soient les conditions météo et notamment par fort vent, j'ai pêché beaucoup des grands lacs dans lesquels justement dès qu'il y a du vent, qu'on passe les 40-50 km/h, on a de très grosses vagues. Et donc du coup, ça devient non seulement inconfortable pour pêcher, mais les bateaux avec des francs-bords qui sont trop faibles, voire tendance à monter des vagues dedans. Donc du coup, il y a tout le temps de l'eau, on est un peu perturbé, on perd la concentration, du coup, on pêche mal. Pourtant, je suis habitué à pêcher dans les mers fortes lorsque je vais pêcher en exo. Ça me fait pas peur du tout, mais clairement, j'avais une inefficacité dans mon action de pêche sur mes anciennes embarcations. Donc, avec la nouvelle embarcation, d'une, je peux aller beaucoup plus vite d'un spot à un autre. Et d'autre part, je peux pêcher dans les conditions nettement plus stables, justement par grand vent. Et du coup, ça m'a permis de me rendre compte que finalement, comme le dit Ludovic Pinchet dans l'épisode 4 de Objectif Brochet Record, eh bien effectivement, j'ai remarqué qu'on avait plus de chances de toucher un gros poisson lorsqu'on avait des conditions météo avec du gros vent. En tous les cas, c'est ce que j'ai constaté en 2022. Et donc clairement, quand on est capable de bien pêcher proprement et efficacement par gros temps, il semble quand même que les gros brochets soient plus actifs dans ces conditions-là. Alors, par ailleurs, j'ai pris aussi plein de gros brochets dans des conditions beaucoup plus calmes, voire très très calmes. Mais il faut avouer que les périodes où j'ai touché le plus de poissons en quantité, d'ailleurs j'ai fait une journée avec 3 maîtres au bateau et le tout en 3 heures de pêche, donc sur une zone qui était très restreinte. Oh, c'est gros ça. C'est très gros ça.
Oh, c'est big, big, big là. Big. Oh là 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 là, regarde, magnifique. Oh, c'est pour ça qu'on vient. C'est pour ça qu'on vient. Yes. Et bien du coup, c'était vraiment une journée venteuse et j'ai eu d'autres situations où j'ai fait des grosses pêches avec globalement beaucoup de poissons. Et parmi tous ces poissons, beaucoup de poissons entre 90 et 95 et quelques métrés dans l'eau. Et donc du coup, ces journées-là, ça a été systématiquement des journées avec beaucoup de vent. Et donc globalement, j'ai l'impression que c'est plutôt effectivement une bonne chose de pouvoir les pêcher dans ces conditions-là, à condition de pouvoir les pêcher correctement. Sinon, évidemment, on devient complètement inefficace. C'est ce qui m'arrivait avant. Et du coup, on passe complètement à côté de sa pêche en se disant que ça ne mord pas. Mais en fait, ce n'est pas que ça ne mord pas, c'est qu'on n'arrive pas à pêcher correctement. Donc du coup, pour revenir sur la météo, temps gris, vent, pas trop de pluie, parce que c'est pareil, ça gêne quand même beaucoup pour pêcher. Donc du coup, une pluie, mais légère, c'est quand même des conditions qui sont plus propices pour rencontrer des très gros brochets. Les spots à gros brochets. Eh bien, j'ai l'impression qu'il y a effectivement des spots à gros poissons, à gros brochets. Par contre, l'expérience montre que ces spots-là, ils sont en tout point similaires à d'autres spots qui sont bons pour le brochet, c'est-à-dire des zones de bois mort, des cassures, des pointes rocheuses, des herbiers, tous ces points clés, entre guillemets, pour trouver des brochets, qui sont des bons spots à brochets, peuvent potentiellement être des zones à gros poissons. Et parmi le panel de toutes ces zones-là, il y a certains secteurs, pourquoi ? Eh ben, c'est pas compréhensible de manière claire, puisque du coup, ils sont en tout point, ces spots-là sont en tout point similaires à d'autres spots qui, du coup, n'hébergent pas de gros poissons. Mais du coup, il y a certaines zones qui, on s'en rend compte, produisent régulièrement des gros poissons. Donc du coup, le but du jeu, c'est d'avoir la cartographie, la position de ces points-là pour pouvoir y revenir souvent. Il n'y a pas d'autre moyen que d'aller régulièrement sur l'eau, de commencer à toucher ces gros poissons, de noter bien les points GPS et donc de pouvoir y revenir régulièrement. Yes.
Oui, c'est un bon poisson. Ça, c'est la clé. Donc finalement, c'est un peu un cercle vertueux. Plus on touche des gros poissons, plus on a de chances d'en toucher d'autres. Pourquoi? Parce qu'on va repérer ces points clés stratégiques dans lesquels on va avoir des passages, des situations où les gros poissons vont être plus présents ou actifs pour chasser. Ça, on ne sait pas exactement. Le fait est qu'il y a vraiment des points. Par exemple, sur des fleuves, on voit très bien qu'il y a des portions de berges qui sur 100 mètres vont produire régulièrement des gros brochets, alors que 100 mètres plus loin, on a exactement la même configuration et pourtant on ne touche jamais de gros poissons. Pourquoi? C'est mystérieux. On a exactement la même chose en lac. On a des zones qui sont complètement similaires avec d'autres points, donc des zones où il n'y a rien de particulier, des zones d'herbier, mais sur un périmètre de 30 mètres sur 30 par exemple, eh bien, en y venant, on constate qu'effectivement, il y a plus de gros poissons qui attaquent nos leurres sur cette zone précise. Et donc, du coup, l'idée, bah, voilà, c'est d'y retourner le plus possible. Et évidemment, de continuer à prospecter plein d'autres zones pour justement identifier ces zones-là. C'est un beau. Oh putain, ça mettrait. Et donc, du coup, une fois qu'on en a un bon paquet, bah, du coup, ça permet d'avoir plusieurs options en fonction de la saison, de la météo, justement, de faire varier notre prospection en fonction de ces zones-là pour augmenter la probabilité de toucher ces très gros poissons. Après, la seule vérité absolue qu'on peut remarquer dans la pêche, la recherche des gros brochets, c'est l'assiduité. Plus on y va, plus on comprend le comportement de ces gros poissons, plus on cerne le milieu dans lequel on pêche, plus on va avoir des chances de prendre des gros poissons et de renouveler l'expérience rapidement. Globalement, il faut se donner un ordre d'idée. Il faut à peu près compter 100 heures de pêche en pêchant correctement pour un métré. Et lorsqu'on progresse, lorsqu'on y va de plus en plus et qu'on progresse du coup dans cette recherche, on arrive à augmenter ce ratio-là et à descendre jusqu'à un métré toutes les 40 heures. Et là, déjà, c'est un très, très, très bon score. Donc, il faut imaginer qu'il y a plein de journées où, outre les métrés, on ne fait pas du tout de poisson. Il y a des journées de bredouille. Il y a un investissement en temps et aussi en moyens, parce que, par exemple, du coup, il faut du matériel. Cette année, j'ai fait environ 14 800 kilomètres pour aller de spot en spot et donc trouver les meilleurs endroits pour prendre des gros brochets et y être régulièrement, puisque j'ai en gros fait 45 sorties dédiées à la recherche des gros brochets. Et donc du coup, c'est un investissement vraiment colossal en temps, en mental, parce que du coup, il faut s'accrocher, se lever très tôt, atteler le bateau, etc., etc. Donc du coup, tout ça, ça demande quand même beaucoup d'obstination, mais vraiment, le résultat en vaut la chandelle. Et lorsque vous voyez arriver en surface un colosse du lac, eh bien, la joie, elle est indescriptible. Yes, c'est gros. Quoi? Oh putain! Oh, c'est un monstre! Fais gaffe! De côté, de côté, de côté! Yes! Il est là, le coco! Yes! Il est le record! 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 Yes! Il est là! C'est gros. Oh putain, je sens les coups dedans. Ça, c'est gros. Ça, c'est très gros, tiens.
pas comme toi. T'as vu l'animation que j'ai fait? Ça filme? J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère vous retrouver bientôt pour d'autres contenus, que ce soit sur du brochet, du cendre, de la perche, du silure, tous les carnassiers m'intéressent, y compris si vous êtes intéressé par des contenus de pêche exotique, n'hésitez pas à me le demander, j'ai pas mal de rush vidéo intéressants, et par ailleurs, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, et n'hésitez surtout pas à vous abonner. Je vous apporterai, j'espère, des contenus tout aussi intéressants. Et voilà, bah, écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.